à tous. Hello. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. On est un peu déphasé. On s'est levé à 6h20. Là, on va prendre le petit déjeuner au Cabanas, parce que c'est celui qui ouvre le plus tôt. Donc, le buffet, il ouvre à 7h. Parce qu'aujourd'hui, on a une excursion. On voulait vous montrer l'extérieur. On est sorti 2 minutes. C'est tellement humide et chaud que, en 3 secondes, la GoPro était remplie de buée. Tout comme mes lunettes Donc, bah, on d'ailleurs. est rentré. Voilà. On peut vous montrer, même si ben, on voit pas grand-chose de toute façon, mais la ligne là, terre en vue. Voilà. Bah, c'est parti et on vous montre le petit déj du Cabanas. Alors, pour le petit déjeuner à 7h, là il n'y avait déjà qu'un côté sur les deux qui était ouvert. Non, it's okay, thank you. Vous avez une station d'omelette, donc à la demande. Oh, du saumon, de la charcuterie, du fromage, des muffins, des beignets. Là, il y a déjà des omelettes qui sont faites. Donc, vous avez des omelettes au fromage et des omelettes au Denver. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense qu'il y a des légumes dedans. Des rostis, du bacon, des saucisses, des croissants, des fruits. Et voilà. Saumon, saucisse, bacon, omelette, en fait presque tout ce que je vous ai montré. Regardez de ce côté-là, on voit beaucoup plus la ville. Bon, ça y est, on est prêt pour notre excursion. Désolé, on est tout brumeux. Je vais chercher un truc. Voilà, du coup, vous vous rendez compte de l'humidité, hein, je venais juste de sortir. Alors, première escale de cet itinéraire, on est au Mexique, à Cozumel. Donc, on va faire une excursion. Ça y est, il est prêt. On va faire une excursion, catamaran, snorkeling, plage avec toboggan aquatique, vous savez, des trucs gonflables là, dans l'eau pour s'amuser. Et Cerveza. Pool party sur le catamaran en revenant. Ouais, il y aura des bières et des margaritas à volonté, je Cerveza crois. con margarita. Bien, bien. Con tacos Non, ça non, tu dois les payer. Oui, on se demandait hier, je disais à Matt, ouais, bah du coup, en revenant vers le port. À la limite, je goûterais bien un guacamole. Et il me dit, mais non, c'est pas mexicain. Tu m'as dit que Non, c'est j'ai pas quoi? dit ça. J'ai dit que la culture de l'avocat est surtout située en Colombie. Mais je Ah, non, comprends mais bien. attends, ça d'accord. C'est pas ce qu'on dit. Le guacamole, c'est d'ici, du Mexique. Je sais pas trop. Bah, d'Amérique latine, en tout cas. Ouais, on essaiera de se goûter un petit guacamole. Et on dit Bref. guacamole. Hey, tu commences à bien parler, toi. Bah, je sais pas. Donc là, on est en train de se garer. Enfin, je sais pas comment on dit, amarrer. J'ai ultra peur, alors je me penche pas trop. Oh, c'est vite! Il y a 15 secondes, je vous jure, on était à plusieurs mètres. Ben voilà. Ah non, on se rapproche encore du bord. Et vous voyez, à la limite, vous voyez par rapport à la ligne rouge là, on s'en rapproche. On avance encore un peu. Non, non, c'est fini, on bouge plus là. Là, je me fais vraiment des. Je raconte vraiment n'importe quoi. L'eau ici, là, elle est ultra bleue. J'espère vraiment pour le snorkeling. Ça va pas être dans un endroit où l'eau elle est sombre. Je vais être comme ça. Sinon, j'irai me mettre au milieu de tous les autres touristes. On a énormément de chance, encore une fois, avec la météo. Parce que la Sailing Away, on devait pas la voir. Parce que j'avais regardé la météo, il devait pleuvoir. Et on l'a eu 15 minutes après. Orage. J'avais regardé il y a, bah, avant de partir la météo sur le Mexique, c'était pourri, de l'orage tous les jours. Alors écoutez, si on sait encore faire l'excursion, je vais vraiment croire qu'on a vraiment énormément de chance avec la météo. Mais vraiment, vous me prenez pour une dingosse, mais je vous jure, on a un truc avec la météo. Ah ben, mais... En fait, la seule fois où on a foiré à cause de la météo, c'est en Namibie avec le ballon. C'est vrai, ça c'était pas du tout avec nous. Oui, on devait faire de la montgolfière en Namibie, au-dessus de Sault Sous Vlaye, et ça a été annulé. Quand vous avez des excursions comme ça, vous voyez tout sur l'appli et vous avez le lieu de rendez-vous et où. Donc là, nous c'est au deck 3 dans le théâtre, donc là où il y a les spectacles du soir, à 8h10. Voilà, ouais, la buée c'est. Isa. Ah ouais, non, non. Allez, on referme. Et ben, on se retrouve en bas. Donc vous voyez là le rassemblement, ils expliquent. La nourriture qu'on peut descendre ou pas descendre, c'est les serviettes de libre, de payantes, de gratuites, à quelle heure on veut être remonté, surtout à bord. Et c'est parti. Et du coup,
on est le groupe Bell. Toute cette activité en fait est du groupe Bell. Là vous voyez, ils nous distribuent les serviettes. Allez hop, oh, elles sont chaudes. Yay. Pour amener les biens à bord, ne les laissez pas à l'extérieur. Nous allons fouler le sol mexicain. Donc vous voyez, vous suivez le groupe. Notre petit panneau Bell est là. Ça y est, tout le monde est là. Je pense que ça, c'est les catamarans qui viennent nous chercher. Ah, c'est bien, regarde, pour les personnes qui savent pas trop marcher. C'est génial. Ça va, mais sentir l'humidité. Ah ouais, ils rentrent tout pile. Par caméra. Ouais, regarde. Ah ouais, nickel. Oh là là, le petit nuage là. Allez, c'est parti. Oh punaise, dès 8h du mat. Vous savez ma passion pour les requins. Non mais on va faire du snorkeling. Vous entendez la musique? Ils sont sérieux? Moi je reste à bord. Remboursé. Regardez, ils sont en train de présenter les salles pour faire des margaritas et tout. Let me introduce my new crew. Voilà le capitaine, il a déjà vu combien il était qui là. On est mal les gars. Bon, on est prêt là. T'es qui fait à partir dans notre... Qui saute en premier? Qui? Allez. See you tomorrow. Oh, wow. Quand on remonte à bord, il y a des petites boissons qui nous attendent. Du coup, apparemment, ça c'est bière, peut-être margarita et coca, je sais pas. On est tous à la margarita. Ouais. Chin chin, santé. Allez, deuxième round. Les jeux aquatiques. Alors, du coup, c'est notre première fois au Mexique.
Je vous avoue qu'on voulait faire l'excursion à Chichen Itza, du coup les pyramides mayas, mais depuis le Covid, Disney n'organise plus ces excursions. Et vu que c'est très loin en fait de Cozumel, c'était hors de question pour nous de prendre l'excursion à part. Parce que si on n'est pas rentré à temps, le bateau part sans nous. En sachant que c'est très très loin, on voulait pas prendre ce risque, mais je vous avoue, je suis ultra déçue juste pour ça parce que c'est tellement iconique. Et moi, ça me passionne tout ça. Mais c'est pas grave, on va profiter autrement. On va s'amuser. Cette excursion, du coup, pour le snorkeling, pour les jeux aquatiques, toutes les boissons qui sont incluses, même l'alcool, c'est 74$ par personne. Enfin, pour les adultes. Les enfants, je crois que c'est moitié prix. 74$ et elle dure à peu près 4 heures. On sera rentré à bord pour le repas du midi. Voilà. De toute façon, sinon toutes les excursions, vous les trouvez sur le site de la Disney Cruise Line. Et donc là, qu'est-ce qui est compris? Le hamac, les transats, les jeux aquatiques d'eau, le kayak. En fait, tout est compris, sauf bah, forcément les souvenirs et les massages. Sinon, le reste... c'est free, enfin free, on a payé, on est d'accord. Et ben c'est parti. On va être à l'ombre, on va être super bien ici, il y a des hamacs, des gros poufs derrière. Ça a l'air galère de ouf à monter. Je veux pas rire. Bon, c'est parti, c'est super haut, j'ai ultra peur. On y va? 1, 2, 3. Non mais moi je le refais plus hein. C'est vrai. Déjà pour monter c'est... ça fait vraiment peur. Il y a que des petites poignées à tout moment en glisse et la personne du type te tombe dessus. Ok, pour monter c'est super galère, il n'y a pas de poignée, j'ai flippé. Allez, go. Vas-y. Allez, encore un. Ah, c'est que du sel. Regardez. On va ici? Ou tu veux pas? On aura tout fait, c'est cool. Alors par contre, l'eau du Mexique, les gars, fermez la bouche hein. Moi ça me brûle les yeux. J'ai un peu pris d'eau là sur les lèvres, c'est salé mais d'une force. Waouh. Il est échoué le truc, il est échoué. Allez, dernier. On y va? Allez. Go. Ils mettent à disposition des matelas comme ça pour mettre dans l'eau. On est ultra bien posé. Vas-y. Vas-y, pose-toi là-dedans, tu vas voir. Alors? Bon, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein. Trop, trop bien. Du coup, sur la plage, vous avez tout ce qu'il faut pour vous rincer les mains. Là, c'est une douche. Je vais pas trop gaspiller l'eau, mais voyez-vous tirer. Voilà, ça permet de vous rincer le visage parce que l'eau est ultra, ultra salée. Et après, du coup, on retrouve le bar avec toutes les boissons comprises. Elisa vient de partir vers l'aventure. Elle veut rejoindre Walt Disney World toute seule. Sauf que Walt Disney World, c'est par là. On va essayer de la suivre. Ah, est-ce qu'elle va y arriver? Direct. Tranquille. Bien. Eh, franchement, je suis impressionné. C'est la première fois qu'elle en fait. Elle y arrive pas mal. Franchement, bien joué, Isa. Quand tu feras les vidéos, tu m'entendras te complimenter. Je pensais vraiment que tu allais te rétamer. Et tu gères.
Et voilà, elle va faire le tour. Alors attention, là, je crois que ça doit pas être facile de tourner. Mais où elle va? Où elle va? Isa! Ah, je crois qu'elle savait pas tourner. J'ai pas su vous la prendre. Isa est tombée. Je ne sais pas si elle a cogné dans quelqu'un. Parce qu'elle est passée juste derrière ça quand je marchais. Et quand je. Et quand elle est dans mon champ de vision, ben je la vois comme ça. Je sais pas pourquoi. Ça va, elle remonte. Alors vu que je ne l'ai pas entendu hurler, ça doit pas être quelqu'un qui lui est en train de dormir, bien que on sait pas. Non mais les gens, ben attendez. Gardez une distance, bordel. Et la revoilà. Attention. Bon, bien posé dans le hamac avec une petite margarita. Eh ben, c'était bien sympa ces activités. Le seul truc que j'ai pas testé, c'est le kayak, parce que Mathieu voulait pas. Le paddle, je voulais qu'on y aille à deux, lui posé et moi qui pagaie parce qu'il voulait pas le faire, mais je voulais pas y aller seul. Finalement, on doit le faire seul. Bon bah, vous avez vu les images, hein, je l'ai fait. Ah, Mathieu il a pas filmé, mais je me suis pris une gamelle parce qu'en fait c'est délimité la zone pour le paddle. Et moi je commençais à m'éloigner, mais vraiment du truc. Donc je me suis mis accroupie parce que j'avais beaucoup plus de puissance dans les bras en étant presque assise pour me remettre dans le bon chemin et dans les lignes. Et j'ai décidé du très bon moment pour me remettre debout une fois qu'il y avait un bateau qui est passé et qu'il y avait des vagues. J'ai eu trop confiance, je me suis dit c'est bon ça va le faire. Je me suis levée, paf, la tête en avant. Et après avec le gilet de sauvetage, vous savez, qui vous reprend là sous la gorge, j'ai galéré à monter. Mais ça va, pour une première, je suis contente. Nous on termine tranquillement parce que je pense que ça va bientôt être la fin de l'activité. Du coup en fait il y a un premier spot si vous voulez en savoir plus sur l'activité. Il y a tout le descriptif de toute façon sur Disney Cruise Line. Mais sinon c'est 45 minutes dans un spot de snorkeling. Puis après nous emmène sur la plage privée pendant 1h30 et après on rentre, je crois que c'est à peu près 45 minutes de trajet encore avec des boissons et de la musique. Donc voilà, très très sympa. Et je trouve ça assez raisonnable, 74$ pour ça. Il y a des petites boutiques souvenirs et ils vendent aussi des hamburgers si vous voulez et des chips, mais ça c'est payant. Les hamburgers je sais pas, mais les chips c'est 3$ le paquet. Voilà. Mais les boissons sont toujours gratuites. Yeah, yeah. Okay, amigos. Vamonos, let's get some party. The party's open in 2 minutes. Vamonos! Faut aller au bar. Hey, une petite choré là sur le bateau qui se met en place. Va! 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 Comment ça bouge de ouf. Ah, il y a un musique, peut-être qu'il va nous sortir. Excursion, on a acheté un petit magnète, 2$, c'est vraiment pas abusé sur l'île même. Et maintenant, on cherche un endroit pour manger du guacamole. Dès qu'on quitte le port, on tombe direct sur plein de boutiques. Bon bah forcément, fallait s'y attendre. Oh le petit hibou. Nous sommes bien à Cozumel pour une escale. On va faire une photo de touriste, non? Regardez ici l'ambiance, c'est génial. Ils mettent des ballons sur la tête des gens. C'est une frog, je sais pas comment ça s'appelle. Ah, senior. Senior frog. Ah, c'est génial.
du coup des bières pour ici. Et pour nous, on a pris des quesadillas au poulet, mais alors pas piquant, sinon c'était la sauce buffalo et à l'arrache. Et moi, j'ai pris du guacamole. Je voulais absolument prendre du guacamole au Mexique, donc c'est chose faite. On va tester tout ça. On a fini à Hooters, donc pour nos deux plats et tips compris, c'est 30$. On pouvait payer en pesos, en dollars et en euros. Il y avait écrit sur le ticket. Donc en fait, le seul endroit là qui est disponible au port de Cozumel pour manger du guacamole, c'est à Hooters. Avant, il y avait la Tequila and Taco, mais il a fermé. Voilà, parce qu'il n'y a plus personne, donc le seul endroit, c'est Hooters. Moi, je m'attendais à quelque chose de pas bon. Je me dis, bon, c'est une chaîne, ça va pas être bon. C'était délicieux. Vraiment, je me suis régalée. Mathieu aussi. Le guacamole, mais incroyable. Les chips qui vont avec, pareil. Le quesadillas, bon. Délicieux. Enfin, tout très bon, donc on recommande. C'est juste au port, en fait. Vous pouvez pas louper. Il y a comme une aire avec plein de boutiques et de restaurants. Et bien, c'est ici, tout en bas. Voilà, et ben nous on remonte à bord. Le bateau quand on est au pied est ultra impressionnant. Mais alors quand on est un peu au loin sur notre petit bateau, il fait petit presque en fait. Oh oui. Regardez, vous donne une. Oh yeah. Oh thank you. Oh oui. Oh là 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 là, génial. Ça, ah, il vous donne ça, elle est super froide, ça fait du bien. Il y a une chaleur ici. Oh oui, oui, oui. Merci. Donc vous avez au citron, au concombre, à l'orange ou bah, de l'eau nature. Merci. Oh, ça fait plaisir de revenir à bord. Du coup, vous êtes accueillis, si vous voulez, par des serviettes froides, des boissons fraîches. Et avant d'embarquer, vous redéposez toutes les serviettes, donc aussi bien les serviettes qui vous ont distribué, les grandes, comme les toutes petites qui viennent de donner, les froides. Ensuite, vous désinfectez les mains. Là. Et puis après, il y a le contrôle, comme quoi vous avez bien votre carte. On vient de rentrer. On a eu un Pixie Dust, donc une distribution de cadeaux aléatoire. On a eu un magnète avec notre itinéraire, mais donc, ben, on va pas vous le montrer, parce que vous découvrirez en même temps que nous, mais il est très joli. On a eu une petite lumière avec le logo Disney Cruise Line et la pile pour rechange. Un aimant, comme on en a déjà beaucoup, en crochet, pour accrocher des petites choses. De la lessive, encore une carte avec bah, toutes les indications pour savoir où sont les restos, la piscine, bref tout ça. Et ça, du coup, des feuilles de lessive et de séchoir peut-être pour... Oh, c'est génial. Eh ben génial, voilà, on s'en servirait, en plus avec les petites explications. Mais super. Et on est reparti pour la chasse au perso. Du coup, il n'y a pas grand monde. Là, il y a Goofy en tenue de cruise, c'est génial. Et nous, on attend Donald. Hey. Ah, mais super, il est juste là. Hey. Oh, big wave. Oh, bye. Bye. Regardez, en plus il a sorti son t-shirt, il s'était pas voulu. Mais ça tombe. Donald, oh, c'est cool. Friends. Yeah. Hi. Non. Et en dessous, du coup, numéro 3, il y a le duo de Tic et Tac. Aussi en tenue marin. Hein. Mais nous, là, on va plutôt aller dehors. Bon, on arrive déjà en retard. Non, mais en fait, il vient juste de le faire, mais c'est ultra rapide. Il se décale direct. Et voilà le départ. Mexique. Ouais, et ben c'est le meilleur guacamole que j'ai mangé, moi. Le meilleur guacamole que t'as mangé. Je te jure, ultra bon. Ah, tant mieux. Ouais, vraiment. Après, souvent celui que je mange, c'est la poudre d'Olden Paso. Mais c'est le seul que j'aime en fait. J'aime pas les autres.
On était en train de regarder nos photos. Et il y a Pluto qui a débarqué de par derrière, inattendu. Il nous a fait des léchouilles. Il a fait des photos avec nous, c'était génial. Et là, on se dirige vers le théâtre pour voir un nouveau show. Et on croise Mickey en capitaine. C'est génial. Regardez Mickey et Mickey. Et ce soir, du coup, nouveau show. Et ça sera Frozen. Je pense que Mathieu est ravi. Mais il est quelle heure? Ah non, ok. Ma mère, on est en retard. Allez, on a cherché une petite place. C'est plus dur qu'en décembre hein, de trouver une petite place. Bien placée en tout cas. Juste avant d'entrer dans le théâtre, que ce soit au deck 3 ou au deck 4, regardez, vous avez une boutique vraiment genre en mode cinéma. Et du coup, vous avez tous les tarifs. Quand vous voulez du popcorn, donc dans ce petit pot, c'est 3,50. Quand vous avez le pot avec le bucket, c'est 7,50. Donc là, c'est Simba. Et du coup, quand vous avez le bucket et que vous voulez juste recharger, c'est seulement 1,50. Ah, oh, mais t'as vu, c'est vraiment pas cher. Hein. Et du coup, même le combo boisson et popcorn, 5$. Franchement. Ouais. Et sinon, vous avez quand même de la bière, du vin. Ah. Alors, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Bon, là, il n'y a pas de bucket, sinon c'est 7,50. Alors, avec Simba, c'est. Avec Simba, c'est 20$. 20$. D'accord, ok. Non, mais effectivement, du coup, c'est vrai que c'est vraiment pas cher. Mais bon, voilà, comme ça, vous savez. Bon, on a fait une petite blague en fait à nos amis, du coup, à Rémi et Marion. Parce que bah, dans certains fichiers extender, on reçoit des fois un peu de la merdouille. Et eux, ils arrêtaient pas de se plaindre de ce qu'ils avaient reçu. Ils arrêtaient pas de se plaindre de ce qu'ils avaient reçu. Et donc, on a fait un petit package des trucs les plus pourris qu'on a eu. Et on était la remettre dans leur panier. Ils ne savent pas. Et du coup, en fait, depuis tout à l'heure, Mathieu veut m'expliquer, mais il pleure. On vient de faire une photo là, c'était un carnage parce qu'il pleurait, il savait plus respirer. Du coup. Non. Ah non, non, ok. Du coup, il va m'expliquer. Et apparemment, nos amis disent on a eu un truc de merde. On a eu des poils de licorne. On n'a pas mis de poils de licorne. Non, il me dit, faut que je te dise ce qu'on a eu dans les feux là. Une espèce de peau en carton prima, je dis que là. Attends, reprends, respire. Une espèce de peau en carton. Ah, une espèce de peau. Dégueulasse. En carton. Oui, c'est vrai, en fait, on avait reçu un truc que t'as. En fait, c'était un support à cupcake dans lequel ils nous avaient mis des trucs. Mais c'est vrai que quand on leur a mis tous les trucs, on a utilisé ce support-là de cupcake, mais on l'a un peu détruit. Le fou, il partait. Je pense qu'il nous manque. Ils ont pris le cupcake et tout s'est éclaté en fait. Il tenait plus le truc. Ah donc c'est nous. Mais on n'a pas mis de poils de licorne. C'est genre d'attache à cheveux en poils de licorne. Ah c'est ça qu'il appelle des poils de licorne. Il y en a beaucoup qui donnent, c'est vrai, des élastiques à cheveux. Bon, moi je vous avoue, j'ai trouvé ridicule. C'est tout petit, enfin ça sert à rien. Et donc ils ont pris les élastiques pour des poils de licorne. Bon. Et donc là en fait ils sont vite partis nous chercher pour qu'on voit c'était quoi toutes les merdes. Pour le coin, ça a des non, je vous jure, on leur a mis des merdouilles, des trucs qu'on a eu, des trucs qui n'ont rien à voir, des trucs seuls, enfin de la merde. Et Marion, je disais, ouais Pixie Dust, shit on dust. On leur a mis même des cotons. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Une petite bougie, mais genre une brindille bougie. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre?
un chocolat, mais des chocolats de la Crouse qu'on a. Oui, les chocolats gratuits qui nous donnent le soir quand on va dormir, on en aura mis un. Allez, on arrête parce que s'ils arrivent. Mais du coup, on leur dira pas et attends, ils vont le découvrir en vidéo, je pense. Faut que je me suis là parce que c'est pas possible. J'espère que vous avez compris quand même ce qu'on a dit. Ah, c'est pas possible. Bon, toujours dans l'atrium avant d'aller manger, encore avec les chanteurs, des personnages. On a vu Blanche-Neige. Et les trois fonds pour les photos ce soir, c'est ceux-là. Et tac. Et ce soir, nous dînons au Royal Court, du coup, le restaurant français, le meilleur restaurant du bateau. En dehors du Palo et du Rémy. Hein. Et t'as vu l'énorme table au centre royal? Ouais. Avec les sièges et tout, c'est pour nous? Ouais, grave. Alors, c'est beau. On a changé pour apprendre la grande table. Comme ça, on aura de la place pour les corps. Ah, oh, c'est beau. Raté. Là, ça aurait été top pour tous nos plats. Alors là. On aurait fait tourner la table pour se laisser envoyer. Attendez. Nous avançons, nous. Encore une belle tablée ce soir. On est tous partis sur des escargots. Bon, moi, ça ne me changera pas en fait des autres soirs. Et on est trois d'entre nous à avoir pris du brie. Le chouris n'en veut pas. C'est non, super bon. Je suis pas. Alors, ensuite, Mathieu s'est pris du Chateaubriand avec un écrasé de pommes de terre et des haricots verts. On continue sur des pâtes avec du homard. Et c'est une sauce au homard, je crois. Il n'y avait pas des crevettes dedans et la tomate. Bref, voilà. En tout cas, ça sent très très bon. Un soufflé au grand marnier. Enfin, d'habitude, ils font comme ça. Attendez. Ah là là, j'arrive pas. J'arrive pas. Oui. Vas-y. D'habitude, ils le font. C'est vrai, Albert. Oui, c'est vrai, merci. Merci. Du coup, là, nous, on était dans le coin avec Jasmine et Aladdin. Mais il y a d'autres princesses. Bye, thank you. Yeah. Merci. Là, vous avez Cendrillon, Aurore. Ensuite, regardez, je vous montre le centre de la salle qui est magnifique. De ce côté, la Belle et la Bête. Thank you very much. Thank you. Et là-bas, vous aviez Ariel pendant son mariage. Et là-bas, il y a encore Aurore, il me semble. De ce côté-là, Aurore et... Ah oui, Blanche-Neige. Et voilà, on vous a fait tout le tour de la salle. Il y a Réponse, il y a Daisy. On a croisé Goofy juste en sortant du restaurant. On revient dans la chambre et ce soir, avec les trois petits bonbons, on a un petit homard. Ou un Sébastien. En fait, je pense qu'il a fait Sébastien, hein. Bah oui, ça se tient. Les petits bonbons dans le pot à bonbons. Et on va vous montrer les feux qu'on a eu. En Pixie Dust, on a reçu ça. C'est un petit tampon. Voilà, tout mignon. Et après, en Fish Extender, on a reçu ça. Donc c'est une bouteille chacun. Donc avec Isa et Stitch. Avec Matt et Boba. Et dedans, bah, y a plein de... petits bonbons. Plein de petits bonbons. Voilà. Elles aiment bien les choses comme ça. Ouais, ça j'aime beaucoup. Hop. Et voilà, donc ça fait un bon souvenir. Voilà, et ben écoutez, on espère que cette journée vous aura plu. Moi j'ai énormément apprécié l'excursion qu'on a faite. C'était très sympa. Ouais, c'était vraiment cool, c'est passé très très vite. C'est dur de monter sur les toboggans. Vraiment, franchement ça faisait peur, je vous jure que ça faisait peur. Il y avait des grosses lanières pour se tenir, mais des fois arrivé en haut, il n'y en avait plus. Donc à tout moment, tu t'éclatais sur le côté. Bref, sinon, le guacamole ultra bon, on l'a dit. Par contre, ça cogne de ouf, en Belgique, au Mexique. L'eau brûle les yeux en plus. Très salé. Et encore une fois, on a eu confirmation, on a eu énormément de chance parce qu'il était prévu qu'il pleuve toute la journée, voire des orages. Et en fait, on est encore passé à travers. Un temps magnifique.
trop chaud peut-être, mais on va pas se plaindre, vaut mieux ça que des orages et du coup de pas pouvoir sortir du bateau et que les excursions soient annulées. Donc génial, on a aussi très très bien mangé, c'était très bon. Bah, c'est le resto français, hein, donc enfin c'est une valeur sûre. Hein. Voilà. Allez, et ben, on espère que cette journée vous aura plu et on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. À demain. Bisous.